Je m'appelle Emmanuel Lenoc, j'ai 41 ans, sportif depuis plus de 30 ans et je me suis lancé dans le monde de l'ultra-trail en 2014. Mon parcours il est un peu atypique. Dès l'âge de 9 ans, je pratique le football, basket, où je rêvais de devenir champion NBA. Ensuite, c'est l'école, les ennuis. Je pratique le karaté pour savoir me défendre, la musculation, les sports de force, la force athlétique en compétition. Ensuite, c'est l'armée, chez les pompiers de Paris, où j'apprends le travail d'équipe, l'entraide, le dépassement de soi, le dévouement sur intervention. Dans les années 2000, je pratique les raids multisports, je suis pompier volontaire et j'obtiens mon diplôme d'éducateur sportif. En 2014, j'ai le déclic d'aller courir, j'enfile une paire de baskets et c'est parti. Je cours, j'augmente les distances, et je prends le départ de plusieurs compétitions. Puis je découvre le livre Born to Run. J'apprends une façon de courir, une culture, celle des super athlètes, les tarahumaras. Je me lance dans l'aventure de l'UTMB, je participe aux courses qualificatives. Puis en 2015, j'apprends que l'année suivante, un ultra de 180 km est organisé au Mexique avec les coureurs indiens. Et je finis premier des Français. Ensuite, c'est l'Inde, une course de 250 km au Rajasthan. Nous étions une trentaine de coureurs. On a traversé une forteresse, une réserve. Et là aussi, j'ai terminé premier. Puis, c'est le Pérou, avec le Half Marathon des Sables. C'est une course sur 3 jours en autonomie suffisance alimentaire. Pour moi, c'est une course expérience, car je termine 122e sur 600 coureurs. Dans quelques mois, je vais participer à une course au Népal qui s'appelle Himal Race. C'est à 850 km dans l'Himalaya. On partira du camp de base de l'Everest pour rejoindre le camp de base nord de l'Annapurna. 24 étapes, 24 marathons, 2000 mètres de dénivelé positif. Donc pendant mes entraînements, je répète ce que je vais endurer là-bas avec l'altitude que je n'ai pas ici. Un sac de 7-10 kg sur le dos et des longues heures de marche en montagne.
Si vous avez un rêve, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le réaliser. Croyez en vous et agissez.